Vous ouvrez vos finances avec GFM. Et premièrement, la grosse différence entre votre conseiller à la banque puis un conseiller à la caisse ou un conseiller indépendant, c'est qu'il ne travaille pas pour la même personne. Le conseiller rattaché à une caisse ou à une banque travaille pour celle-ci, tandis que le conseiller indépendant, lui, travaille vraiment pour le client. C'est sûr que nous, les conseillers indépendants, on n'a pas de quota de produits qu'on doit absolument vendre. On y va vraiment avec les besoins du client. Le fait d'être courtier, ça nous permet d'avoir accès à une gamme de produits beaucoup plus diversifiée. Je vais vous donner un exemple en assurance. Avant de vendre une police d'assurance à un client, j'ai la chance de pouvoir comparer les prix entre une douzaine de compagnies d'assurance. Puis c'est à peu près la même chose quand il vient le temps de choisir un portefeuille en fonds communs de placement. Nous allons souvent pour le produit le plus abordable en assurance et le produit le plus performant avec les meilleurs rendements en fonds communs de placement.